Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux villes magnifiques, chargées d'histoire et classées parmi les plus beaux villages de Suisse. La première est l'ancienne capitale judiciaire du pays de Vaud savoyard, comptant parmi les exemples d'architecture civile médiévale les mieux conservés du canton. Quant à la deuxième, ce n'est rien d'autre que l'ancienne capitale de l'Helvétie romaine et l'un des sites archéologiques les plus importants de Suisse. Le nom de ces deux villes, Moudon et Avenches. Là, on se trouve dans la ville haute, on a une jolie vue sur la ville basse. Et puis si jamais vous êtes un peu plus intéressé par le côté historique, les monuments et les musées aussi, avec le musée du Vieux Moudon, c'est plutôt dans la ville haute que ça se passe. Et si vous voulez faire une petite balade en nature, il vous suffit de vous parquer à côté du stade de foot. Il y a une jolie marche qui suit le long de la rivière de la Broye, je crois que ça se prononce comme ça. Et derrière, on a les magnifiques falaises de Molas. Dans la région d'Avenches, vous pouvez venir visiter le Haras fédéral. C'est l'occasion de venir voir les chevaux et surtout l'élevage de cigognes. En 1950, il n'y avait plus de cigognes en Suisse et aujourd'hui, rien qu'au Haras, ils en comptent environ 150. Voilà, on vient d'arriver à Avenches. Maintenant, on va vous faire découvrir un petit peu cette petite ville médiévale. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, je me trouve à l'intérieur d'un amphithéâtre. C'est des ruines qui d'ailleurs sont utilisées une fois par année pour un festival. Une fois que vous avez terminé de visiter l'amphithéâtre, n'hésitez pas à aller dans le bâtiment qui se trouve juste derrière moi. C'est le musée romain qui va vous expliquer un peu l'histoire de tous ces sites. Ces sites. Je trouve super sympa cet endroit, cette tour. On est où exactement? C'est la tour qui se trouve à la porte est et vous avez une vue 360 degrés sur le lac de Morat et sur toute la ville d'Avenches. Et l'avantage en fait, c'est quand on est ici, on se rend vraiment compte qu'Avenches est posée sur une colline et avec toute la fortification autour, c'est assez intéressant parce que quand on est là-bas, on s'en rend pas compte. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo dans la région Moudon-Avenches. Personnellement, je n'avais jamais mis les pieds ici et j'ai été très très surpris. C'est vrai que moi, quand je visite une ville, j'aime beaucoup découvrir l'histoire de ce lieu. Moi, quand je viens dans un endroit comme ça, je me dis, il y a des centaines d'années, il y avait des gens qui étaient assis ici pour regarder des spectacles et je trouve vraiment ça super intéressant. Et que vous soyez fan ou non d'histoire médiévale, de toute façon vous y trouverez votre compte, il y a de tout, il y a des trucs pour les jeunes, pour les moins jeunes. On vous met un lien dans la description pour avoir plus d'informations sur ces lieux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de loisirs.ch et nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.